Exercice 5. Donc l'exercice 5 est une amélioration de l'exercice 4. Donc comme on peut le constater ici dans l'affichage, on a bien toujours une recherche d'une valeur entre 1 et 10, mais cette fois-ci on a une petite indication à chaque itération qui nous indique si notre valeur proposée est plus petite ou plus grande que la valeur à rechercher. Donc ici, quelle est la partie de code à modifier? Déclaration de variable, nous avons toujours les mêmes variables. Nombre secret, une saisie. Nous allons toujours saisir les informations. Nous allons toujours itérer tant que le nombre secret n'a pas été trouvé. Et nous allons toujours afficher le résultat, en l'occurrence ici, simplement l'arrêt de la console. Donc la modification ne peut être qu'ici, puisqu'on nous demande ici de ne pas afficher simplement cette information, mais une information plus précise sur la position du nombre proposé. Deux possibilités, soit il est plus petit, soit il est plus grand. Donc ici, on voit tout de suite où on va en venir. Nous aurons nombre de cas, s'il est plus grand ou s'il est plus petit. Donc, si le nombre proposé est plus grand que le nombre secret, eh bien il faut afficher que c'est trop grand. Et sinon, c'est qu'il est trop petit. Donc, toujours l'utilisation des templates. Et donc ici, trop petit. Testons ce programme. Donc quelle proposition? 11. De manière à ne pas trouver la solution tout de suite. 5 est trop petit. On va chercher 8. C'est trop petit. 9. C'est trouvé en 4 coups. Exercice numéro 5. Terminé.